L'émission Bonjour Côte du Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistant Soutière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Jeudi 14 février 2019, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, un trentenaire tente sa chance sur l'autoroute 20 fermée et entre en collision avec une déneigeuse. Une famille tirée du lit par un incendie de garage. Saint-Anselme, le nouveau magasin Coop IGA a un look. La Sûreté du Québec met la population en garde contre une tentative d'hameçonnage téléphonique. Adieu Musique Plus sur la scène provinciale. La chaîne rendra officiellement l'âme cet été, 33 ans après son entrée en ondes. Côté sport, les patineuses de Saint-Pascal se démarquent. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Selon le quotidien Le Soleil, un automobiliste a foncé mercredi matin à Montmagny dans un camion de déneigement, alors que celui-ci roulait sur un tronçon de l'autoroute 20, fermé en raison de la tempête de neige qui a frappé le Québec. Selon l'agente Christine Coulombe de la Sûreté du Québec, le conducteur, un homme de la trentaine, n'aurait pas respecté la signalisation en s'introduisant sur l'autoroute 20 Ouest, qui était fermée à cause des conditions routières, pour ensuite entrer en collision avec une déneigeuse. L'accident s'est produit vers 7 heures du matin. Heureusement, les deux occupants du véhicule n'ont subi que des blessures mineures. Toujours selon le journal Le Soleil, le conducteur a reçu un constat d'infraction de 490 $ pour son geste. L'accident a par ailleurs retardé les travaux de déneigement sur l'autoroute 20. Et selon le journal Le Placoteux, une famille de l'Apocatière a eu droit à un réveil brutal dans la nuit de mardi à mercredi matin à l'Apocatière, après qu'un incendie eut éclaté dans le garage annexé à la maison. Le tout est survenu aux aurores vers 4h50, dans une résidence unifamiliale de la rue de la Vigie. Le père des deux enfants était alors réveillé lorsqu'il a entendu les premiers crépitements de feu en provenance du garage. Le détecteur de fumée ne s'était pas encore déclenché, selon ce qu'il nous a raconté, d'indiquer Stéphane Dubé, directeur du service intermunicipal de sécurité incendie de l'Apocatière. Un voisin pompier aurait témoigné que lors du placement de l'appel initial au 911, le feu sortait déjà par la porte du garage. Selon Stéphane Dubé, le papa aurait tout juste eu le temps d'habiller ses deux enfants et de se réfugier chez un voisin lorsque la fumée a commencé à entrer dans la maison. Les dommages demeurent principalement localisés au garage. Nous avons fait notre intervention en ce sens également afin d'éviter que le feu où la fumée ne se propage plus vers l'intérieur de la maison. On peut estimer l'ensemble des dommages autour de 50 000 $ d'ajouter le directeur. Au total, l'intervention a nécessité la présence de 25 pompiers. Une quarantaine de minutes ont été nécessaires pour maîtriser le brasier,
Heureusement, personne n'a été blessé. La cause de l'incendie serait une défaillance électrique survenue dans le système de chauffage du garage. Selon le journal La Voix du Sud, l'éventuel nouveau magasin Coop IGA a finalement un look et un panneau, indiquant son arrivée prochaine, qui sera bientôt installé à son nouvel emplacement. Le conseil d'administration du magasin coopératif prévoit prochainement organiser une activité pour dévoiler davantage d'informations sur le projet. Devant déjà composé avec le départ de Maple Leaf du cœur du village au cours de la dernière année, la municipalité de Saint-Anselme entame une réflexion sur une revitalisation de la rue principale, surtout que le magasin Coop IGA sera relocalisé éventuellement, laissant ainsi un autre bâtiment vacant. Le maire de la localité, Yves Turgeon, estime que l'occasion est bonne d'amorcer un virage au cœur du village. Le départ du magasin Coop va laisser un autre vide dans notre cœur du village, mais ce n'était peut-être plus sa place non plus, considérant que les livraisons nécessaires au magasin causaient des difficultés aux transporteurs et que les nouvelles tendances sont de situer des épiceries sur des artères achalandées pour des raisons de visibilité. Concernant qu'il s'agira d'un autre espace important et inoccupé, il ajoute qu'il ne faudra pas chercher à combler le vide à tout prix. Il reste encore plusieurs questions en suspens. Une chose est sûre, il ne faudra pas que ce soit pour un autre commerce qui amènera son lot de livraison et du trafic lourd. M. Turgeon indique que la réflexion est déjà en cours, sauf que certaines données sont encore inconnues, puisqu'on ne sait toujours pas qui aura à administrer le bâtiment une fois la Coop partie à Saint-Anselme. D'ailleurs, on réfléchit depuis longtemps à un projet de résidence pour personnes âgées qui serait complémentaire à l'offre qui existe déjà avec le Royal, le CHSLD et le privé. Ce serait avec service, mais beaucoup plus du logement subventionné. Est-ce que ce serait le bon endroit? Il faut aussi penser que nous avons plusieurs personnes âgées qui voyagent à pied. Est-ce qu'un autre service de proximité serait pertinent? Ce n'est pas sûr. L'avenir de l'église entre aussi dans l'équation, puisqu'elle est aussi située sur la rue principale. Le maire Turgeon indique qu'un comité devant étudier son avenir sera bientôt mis sur pied. On nous a dit que sur un horizon de 7 à 10 ans, que le conseil de fabrique pourrait nous remettre les clés. Et c'est un peu notre image de marque. On sait que sa vocation religieuse, excusez-moi, est chose du passé, alors il faudra penser à l'intégrer comme lieu communautaire, si cela est pour se faire. Avec des citoyens, des organismes et les gens qui s'occupent de la pastorale dans notre localité, on entend débuter la réflexion bientôt, même si l'affluence est encore correcte pour une localité de 4000 habitants. Il ajoute que le presbytère ne fera possiblement pas partie de la réflexion puisque son potentiel au niveau du privé est plus attrayant et que déjà, les prêtres qui desservent les localités de Bellechasse-Sept-Chemins loge à cet endroit. Pour l'instant, il a une vocation. Les prêtres y seront pour au moins 6 ans. Le secrétariat de la fabrique est aussi à cet endroit, alors il n'y a pas de questionnement à court terme. D'autres nouvelles après la pause. L'activité physique diminue la tension. Donc, vous pouvez décompresser mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. La Sûreté du Québec désire sensibiliser les établissements commerciaux au sujet des fraudes de type hameçonnage téléphonique, visant différentes bannières commerciales. Comment le fraudeur procède-t-il? Le suspect communique avec un employé d'une succursale, se fait passer pour un responsable du bureau-chef de la bannière commerciale, l'informe de la présence d'un stratagème frauduleux en cours ou de difficultés techniques éprouvées par des clients
en lien avec des cartes prépayées, comme iTunes et Google Play. Exige que l'employé lui divulgue les codes d'activation à l'endos de la carte prépayée aux fins de vérification. La Sûreté du Québec réitérera l'importance pour les employés de faire preuve de prudence et de vigilance vis-à-vis ce type de fraude visant à leur soutirer les codes d'activation de cartes prépayées en vue de la prévenir. En cas de réception d'un appel d'une personne présumée du bureau chef, ne supposez jamais que le numéro de téléphone qui apparaît sur l'afficheur est exact. Les fraudeurs ont recours à des techniques permettant de falsifier les données de l'appelant pour tromper leur victime. Composez le numéro de téléphone officiel du bureau chef afin de vérifier la validité de la demande qui vous est adressée. Dans toutes vos communications, téléphoniques, courriels, textos, validez toujours au préalable l'identité de votre interlocuteur. Que faire si vous êtes victime d'une telle fraude? Signalez l'incident auprès du service de police qui dessert votre municipalité, service de police locale, Sûreté du Québec au 310-4141 ou étoile 4141 sur le cellulaire. Communiquez aussi avec le Centre antifraude du Canada pour signaler la fraude au 1-888-495-8501, 1-888-495-8501. En terminant sur la scène provinciale, une page d'histoire télévisuelle et culturelle du Québec se tournera l'été prochain quand Musique Plus disparaîtra des ondes. Groupe V Media a décidé d'abandonner la célèbre marque pour créer une toute nouvelle chaîne qui diffusera des séries et des films dédiés aux femmes. Le vice-président, exécutif et chef de la stratégie corporative chez Groupe V Media, Dimitri Gourdin, c'est qu'une telle décision risque de faire couler beaucoup d'encre et de toucher en plein cœur toute une génération de téléspectateurs ayant grandi en regardant Le Combat des Clips, Rock Velours et Solid Rock. Mais la place qu'occupe la station dans l'esprit du public est dorénavant loin d'être aussi grande que celle qu'elle occupait dans l'échiquier télévisuel. Rampe de lancement des carrières de Véronique Cloutier, Mike Gauthier, Geneviève Borne, Anne-Marie Wittechat, Claude Rajotte, Anne-Marie Lozic, Sonia Benezra, Rebecca McConnell et plusieurs autres, Musique Plus, bat de l'aile depuis plusieurs années. Avec une part de marché oscillant autour de 1%, elle n'est plus l'ombre d'elle-même, surtout depuis qu'elle n'est même plus obligée de diffuser des vidéoclips en vertu des nouvelles règles du CRTC entrées en vigueur en 2017. Musique Plus est l'une des marques médias les plus connues au Québec, indique Dimitri Gourdin en point de presse téléphonique. Les gens y sont encore très attachés, mais c'est un attachement de nostalgie. C'est ce qu'on a constaté en menant des études. La réalité pourrait frapper les Montréalais dans quelques mois quand Groupe V Media se départira également du grand studio Vitré situé à l'intersection des rues Bleury et Sainte-Catherine, sur lequel des milliers de fans en délire des Backstreet Boys ont déjà estampé leur visage. Depuis le rachat de Musique Plus par Groupe V Media en 2013, quelques tentatives de relance ont été effectuées, mais aucune n'a répondu aux attentes de l'entreprise fondée par Maxime Rémillard. Aujourd'hui, on doit tourner la page, insiste M. Gourdin. Ce dernier souligne néanmoins qu'il évalue plusieurs options qui pourraient permettre à V Media de faire vivre Musique Plus ailleurs qu'en télévision. La disparition de Musique Plus attriste grandement son cofondateur, Pierre Marchand. « J'ai beaucoup de peine », déclare le producteur au journal. « On perd quelque chose qui a tellement été essentiel à notre culture musicale. Musique Plus, c'était une bébête à part. Ce n'était pas une chaîne comme les autres. Je trouve ça triste qu'il n'y ait plus de locomotive pour notre culture musicale. C'est dangereux. » Et quand j'ai écouté Musique Plus en 2007, elle était en bonne santé, poursuit l'ex-grand Manitou de l'antenne. Ça allait très bien. Je ne peux pas croire qu'on l'a autant magané. Pierre Marchand raconte avoir tenté de racheter Musique Plus à Bell Media en 2013, mais l'offre de Groupe V Media s'est avérée plus généreuse. J'avais tout un plan de match. Musique Plus aurait pu devenir un influenceur. Mais aujourd'hui, elle fait partie des livres d'histoire. La disparition de Musique Plus n'entraînera aucune perte d'emploi, soutient Dimitri Gourdin. Elle signera toutefois l'arrêt de mort des trois émissions originales qui garnissent sa grille horaire, OD+, en direct, La Jamaïque au goût de Marley et Buzz,
animée par Jérémy Demey. Quant aux acquisitions qu'elle présentait, certaines pourraient migrer vers Max, comme Marvel, les agents du SHIELD et Supergirl. Parlant de Max, Groupe V Media semble l'utiliser comme modèle pour bâtir sa nouvelle chaîne spécialisée. Depuis l'automne dernier, ses parts de marché se chiffrent à 2,1 %, une augmentation de 75 % selon les données fournies par l'entreprise. Dans un instant, les sports. Les sports, une présentation de Pavage Géricault de Lillet pour enfin réaliser votre rêve. Que ce soit pour un aménagement paysager, pour l'excavation ou pour l'asphaltage de votre entrée, Pavage Géricault peut vous fournir une expertise et évaluer gratuitement votre projet clé en main. Pavage Géricault, 418-234-7524 de Lévis à Rivière-du-Loup. Pavage Géricault pour enfin réaliser votre rêve. Côté sport, les 26 et 27 janvier dernier, se tenait à Mont-Joli la finale régionale Star Michel Proulx et la finale régionale des Jeux du Québec. Kéliane Massé a remporté une médaille d'or dans la catégorie Star 5, moins de 10 ans, et se qualifie pour la finale provinciale Michel Proulx à Saint-Romuald-Saint-Jean, qui se tiendra du 15 au 17 mars prochain. Marianne Moreau a gagné l'or chez les Sans Limites, moins de 8 ans. Louisa Yu a remporté l'argent et Élie Gagnon, le bronze, chez les Star 4, moins de 10 ans. Élodie Richard ramène l'or chez les Star 4, moins de 13 ans. Mathilde Michaud a pris le cinquième rang chez les prénovices libres, tandis qu'Alexandra Lajoie et Kim Lebrun reviennent avec un ruban argent chez les Star 2 et Caroline Richard un ruban argent chez les Star 3. Anne-Sophie Fournier a terminé 13e chez les Star 6 et c'est tout ce qu'on a côté sport, mais je félicite toutes ces médaillés qui nous font honneur un peu partout au Québec. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@sematv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 11 510 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de sematv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision SEMATV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et surtout l'état des routes. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris, 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre, pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 418-248-3999. Maintenant ouvert, Déco-Surface L'Entrepôt. Nouveau concept, 150 000 pieds carrés d'inventaire en couvre-plancher. Céramique, bois franc, bois flottant, prélard. Ouvert 7 jours sur 7, Déco-Surface L'Entrepôt. 132 Taché-Ouest, Montmagny, 241-2002. La météo présentée par Laurent Dauportier-Fenêtre. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurent Dauportier-Fenêtre. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurentdau.com. Écoutez, c'était quand même une bonne tempête. On y a goûté, surtout côté précipitation. Parce que les vents n'ont pas été ce qu'on avait prévu. On a quand même eu de bons vents, mais on s'attendait à des vents beaucoup plus forts. Je dirais qu'avec la vue qu'on a ici, on est en mesure de constater là, que cette tempête, ça venait par bourrasque, ça venait par période. Des périodes où la visibilité était réduite, d'autres où c'était beaucoup moins pire. Je veux saluer ce matin l'équipe des policiers de la Sûreté du Québec qu'on a eu à surveiller
parce qu'on est quand même bien situé à l'angle du chemin des Poiriers et du boulevard Taché. Quel travail ils ont effectué pour bloquer la route d'abord et ensuite s'assurer des services essentiels, parce qu'on a vu des ambulances, on a vu des gens qui devaient absolument se rendre à l'hôpital avec les employés de Transport Québec, dont je souligne l'excellent travail également. Vous savez, l'hôpital est situé dans une zone où il faut passer à partir de la rue Posé, Jacques Posé, et se rendre à l'hôpital. Il y a un bout de route là, qui est en plein champ et il y a beaucoup de poudrerie. Alors, on a fait le nécessaire là, pour être capable de donner les services essentiels. Ce qu'on fait, c'est qu'on attend. On a un camion qui, avec une gratte, permettez-moi le terme, là, vous allez bien comprendre. Et là, ce camion-là prend la pole position, la première position, et après quoi, les services essentiels avec Transport Québec. Alors, on s'organise tant bien que mal lors de ces tempêtes. Bravo à tous ces gens qui sont toujours là pour nous assurer la sécurité complète. Donc, bravo. Je tenais à le faire parce que ces gens-là travaillent souvent dans l'ombre, mais dans des périodes aussi difficiles qu'hier, ils sont importants. Il y a toujours des hurluberlus là, qui se permettent. Hier, vous avez entendu dans la nouvelle, là, ce bonhomme qui a pris l'autoroute 20 malgré qu'elle soit fermée, et il a frappé une déneigeuse. Alors, 490$ d'amende. On en parlera avec José Soucy tantôt. Vous savez, on prend tous les moyens pour éviter que des gens se blessent, qu'il y ait des carambolages. Je pense qu'hier, avec les mesures qu'on a prises, justement, on a évité ce genre d'événement-là. Mais il y a toujours l'exception à la règle. Et ce monsieur dans la trentaine là, qui s'est permis de prendre l'autoroute 20 alors qu'elle était fermée et a frappé une déneigeuse. Malheureusement, il n'y a pas de blessures, des blessures mineures. Mais il y en a toujours qui réussissent à déjouer le système. Donc, à la météo, c'est beaucoup plus tranquille aujourd'hui, mais on prend de l'air pour monter la côte, permettez-moi l'expression. Ce qu'on nous prévoit au cours des prochaines heures, il y a encore un avertissement de neige au cours des prochaines 24 heures, 48 heures. Donc, de la neige laissant une accumulation totale de près de 15 cm est prévue. C'est une dépression en formation sur les prairies américaines qui touchera la région de Québec et de Montmagny vendredi. Elle laissera une quinzaine de centimètres sur ces secteurs. Aussi, des vents forts du nord-est réduiront par moment la visibilité dans la poudrerie. Évaluer la nécessité de déneiger les toits afin d'éviter les risques d'affaissement causés par le poids combiné de la neige abondante de mercredi et de vendredi. Mais je me permets de dire qu'on prévoit en après-midi demain ou en fin de journée demain vendredi qu'il pourrait y avoir une masse d'air doux, pour ne pas dire chaud, mais allons-y avec une masse d'air doux qui pourrait nous apporter de la pluie en fin de journée. Alors, c'est important de déneiger vos toitures parce que cette neige, qui est quand même légère, pourrait s'alourdir là, en raison des précipitations, parce que, justement, en raison de ce réchauffement des températures demain vendredi, ça pourrait tomber en neige, en verglas, en grésil ou en pluie. Donc, ça veut dire qu'il faut être prudent et déneiger vos toitures. Donc, parlons d'aujourd'hui. On parle d'averses de neige isolées avec un maximum de moins 5. On pourrait recevoir un petit centimètre de neige supplémentaire. Donc, rien de bien important. Cependant, les vents vont souffler de direction sud-ouest à tout près de 30 km/h. Ça se dégage pour ce soir avec moins 9. Pour la nuit prochaine, ciel variable, donc nuages et des éclaircies, avec un minimum de moins 12 degrés. Pour demain, vendredi, donc cet important système là, qui va nous atteindre vendredi va nous apporter de la neige, 10 à 15 cm. Mais regardez, les températures seront d'un maximum de moins 3 degrés. Mais comme on est tout près du point de congélation, ça pourrait tomber en neige, en pluie, en grésil, ou en pluie verglaçante. Donc, il faudra le surveiller et surtout, je vous conseille de déneiger vos toitures et vos patios au cours de la journée d'aujourd'hui, justement pour éviter des désagréments. Les vents qui vont souffler de direction nord-est demain à tout près de 30 km/h. Pour la fin de semaine, ça se dégage. Samedi, une
belle journée sous un ciel variable avec du temps doux, moins 2 degrés. Je vous rappelle que les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont de moins 6 le jour et moins 13 la nuit. Donc, moins 2 pour samedi. Pour dimanche, c'est plein soleil, des températures un petit peu plus froides avec moins 9 degrés et des vents qui pourraient causer un refroidissement éolien qui souffleront de direction sud-ouest à tout près de 30 km/h. Pour la semaine prochaine, ben regardez le tableau, il est très beau. C'est du soleil pour lundi, mardi, mercredi et jeudi. Ça sent nuage pour la fin de la journée jeudi. Des températures sous les normales de saison, moins 11 pour lundi et mardi, moins 9 pour mercredi et moins 7 pour jeudi. Les vents qui vont souffler quand même de façon modérée lundi et mardi vont diminuer d'intensité pour mercredi et jeudi. Voilà pour les prévisions de la météo pour la prochaine semaine pour notre région. Et je vous rappelle cet avertissement de neige et ce temps doux qui pourrait nous apporter de bonnes précipitations encore demain vendredi. L'état des routes présenté par le garage Fernand Langlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Langlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Langlois et fils, 4e rue Montmagny, 288-5622. J'ai parlé tout à l'heure des policiers de Transport Québec, mais souligner aussi l'excellent travail des équipes de déneigement, particulièrement de la ville de Montmagny, alors que hier, on a travaillé fort pour s'assurer que toutes les artères de la ville soient ouvertes ou du moins praticables. Et je m'en venais au studio ce matin très tôt et déjà les camions, les déneigeuses étaient à l'œuvre pour justement ramasser cette neige qui est tombée hier. Donc, bravo aux employés de la ville. Et bravo au Transport Québec là, qui s'assure de nous offrir des artères praticables et surtout bien déneigées. Donc, c'est pas compliqué. C'est ou enneigé ou partiellement dégagé sur toutes les routes. Ce qui est en jaune, c'est partiellement dégagé. Et ce qui est en blanc, bien sûr, c'est enneigé. Alors, on travaille actuellement à déneiger ces artères, mais il faut surveiller. Et si vous devez utiliser le réseau routier aujourd'hui, vous assurez là, que vous pourrez le faire en toute sécurité. Les routes secondaires particulièrement, tout ce qui mène au sud de Bellechasse, Montmagny, Lillet, eh bien, ces routes sont enneigées. Il faudra être prudent. La circulation est au ralenti sur la 132 à la hauteur du chemin du Moulin. Donc, c'est dans le coin de Lillet, entre Lillet et Saint-Jean-Port-Joli. Alors, ce coin de pays-là, où il faudra particulièrement user de prudence. Donc, c'est la situation actuelle sur nos routes. La prudence est de rigueur. Et si vous devez effectuer des déplacements aujourd'hui, peut-être vérifier auprès de Transport Québec au 511 afin de vous assurer là, que tout est conforme et que tout est parfait pour que vous puissiez faire vos déplacements en toute sécurité. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Grandeur Nature Aliments Naturels à Montmagny a su gagner la confiance par ses conseils personnalisés. Achat en vrac, cosmétiques biologiques, vaste choix de produits bio, lampes de sel. Grandeur Nature Aliments Naturels pour vivre mieux et en santé. 100 Saint-Thomas Montmagny, 248-88-97 ou sur notre page Facebook. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le 14 février et c'est une journée qui ne passe pas inaperçue parce que c'est la fête de tous les amoureux. Alors, je m'empresse de souhaiter ou de vous souhaiter bonne fête, vous qui êtes en amour. Alors, si vous avez le goût de le faire, eh bien, vous appelez votre blonde ou votre chum puis vous lui dites que vous l'aimez. C'est la journée qui est faite pour ça. Et vous savez, la Saint-Valentin, moi, j'ai appris que ce n'est pas que pour les amoureux.
S'il y a des gens que vous appréciez, que vous aimez, pourquoi pas profiter de cette journée-là pour le dire à ces gens-là que vous les appréciez, que vous les aimez? Pas nécessairement être en amour avec ces gens-là, mais de les aimer d'une autre façon. C'est cette journée du 14 février qu'on peut profiter et dire aux gens qu'on les apprécie, qu'on les aime. Il y a toutes sortes de façons d'aimer. Alors, la Saint-Valentin, c'est un peu fait pour ça aussi. Alors, aujourd'hui, 14 février, c'est l'anniversaire à Laurie Richard de Montmagny. Elle a 16 ans. C'est de Tante Lucie, cousine Mélanie, et les enfants, naturellement, Mathieu, Marie-Soleil et Océane. Alors, bon anniversaire, Laurie Richard, 14 février. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Brigitte Poirier des Tantines Bossées. J'ai trouvé ça cute, les Tantines Bossées. Également Jacques, Sophie et Frédéric qui vous souhaitent bon anniversaire, Brigitte Poirier. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Sylvain Couillard. C'est vos parents, Claire et Jean-Charles, qui vous souhaitent bon anniversaire, Sylvain Couillard, en ce 14 février. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Malik. Bon anniversaire, Malik. C'est vos parents et vos amis qui vous souhaitent bonne fête en ce 14 février. Et c'est si vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, bien tout simplement, vous nous téléphonez au 418-241-1313, poste 229 en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, que vous pouvez faire ça longtemps à l'avance, parce que c'est une boîte vocale. Et aussi, ben, on les met en filière, et le jour venu, on se fait un plaisir de souhaiter bon anniversaire aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Peter Swoboda, qui a joué pour les Canadiens de Montréal, entre autres. Il a 53 ans aujourd'hui, Peter Swoboda. Il a joué de 84 à 2001. Meg Tilly, actrice américaine, sœur de Jennifer Kelly. Tilly, pardon. T comme Talbot, alors Tilly. Meg Tilly, elle a 59 ans. Et Michael Bloomberg, ex-maire de New York, il a 77 ans aujourd'hui. On se souvient du décès en 2015 de Michel Ferrero, 89 ans, le père du Nutella. Également Jean-Marc Léger, 84 ans, journaliste et l'auteur et premier directeur de l'organisation l'OLFQ. Également Noël Moisan. C'est qui ça, Noël Moisan? Eh bien, il est décédé en 2007 à l'âge de 89 ans. C'est lui qui a incarné le premier bonhomme carnaval, donc Noël Moisan. Voilà, ça complète les anniversaires pour aujourd'hui. Bonne Saint-Valentin à tous. Dans quelques instants, eh bien, c'est notre chronique du jeudi, notre chronique culinaire avec notre chef Benoît et notre directeur général Luc. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest, Montmagny, 418-248-4444. Vous regardez cmatv.ca. La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché Ouest. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny en ce 14 février. Alors, vous dire, mes amis, que je vous apprécie. De là, vous dire que je vous aime. Ouais, à ce point-là. Là, c'était une autre histoire. Un non, peu. Mais quand même, c'est le temps de dire aux gens qu'on les apprécie, qu'on les aime, puis pourquoi pas. Alors, bonne Saint-Valentin, M. Tanzi. Ah, merci, monsieur. Notre chef cuisinier, Benoît. Et Lucas, notre directeur général. Comme à la télévision. Alors, le colleux étant fait, maintenant, oui. Dites-moi, Luc, est-ce que ça se fête encore autant de Saint-Valentin, particulièrement là, l'alimentation, parce que c'est notre chronique culinaire? Est-ce que ça se fête autant? Est-ce que ça s'est déjà fêté énormément? Moi, je dirais que on entend moins parler de la Saint-Valentin. Ça se fait différemment. Ça se fait différemment. La Saint-Valentin, c'est une fête de restauration. Beaucoup plus qu'auparavant, si on recule d'une vingtaine d'années, où c'était vraiment beaucoup plus familial. Le chocolat. Là. Ouais, puis à la madame, puis les enfants. Ouais. On incluait les enfants dans ces réceptions-là de Saint-Valentin. Aujourd'hui, ça, avec le temps, ça a évolué plus tendance sur une fête de couple. Donc, il y a encore beaucoup de gens qui vont le célébrer à la maison. Un bon petit repas un peu différent, une petite bouteille de vin, parfois même entre amis. Donc, ça évolue dans le temps comme tout le reste. Comme tout le reste. Effectivement. Et aussi,
Bien, ici, on a tout. Si les gens veulent se préparer, est-ce qu'il y a quoi de spécial qu'on fait pour la Saint-Valentin ou. L'intention de souligner ça? C'est sûr qu'on va voir une mise en marché légèrement différente, particulièrement au niveau des viandes, parce que c'est les gens qui le fêtent à la maison habituellement vont faire un petit quelque chose de spécial. Mais pour le reste, vous trouvez à chaque jour tout ce que vous avez besoin pour célébrer ou fêter ou manger différemment. Donc, on vous invite à venir nous voir, venir nous rencontrer. On a parlé depuis déjà plusieurs mois de la qualité des vins qu'on retrouve maintenant en épicerie. Donc, de profiter de la même occasion pour inclure dans votre panier d'épicerie votre bouteille de vin, les mêmes vins qu'on retrouve en agence, en SAQ. Donc vous avez tout pour agrémenter cette petite journée du 14 février. Donc? Soyez des cupidons! Qu'est-ce que Benoît nous propose en ce 14 février? Bien, écoute, c'est un peu bizarre parce qu'il a décidé de faire du maï-maï. De notre poissonnerie? Bien, oui, effectivement. Donc, du maï-maï. Donc, j'ai dit maï-maï. Donc, il maï. Donc, c'est un petit jeu de mots. Vous n'avez pas catché, je savais. Donc, du maï-maï au lait de coco et gingembre. Donc, ça va goûter l'asiatique. Oui. D'ailleurs, on est allé voir sur Internet avant. Oui. Savoir, c'est quand même un poisson assez consistant, pas tellement beau. On n'en mettra pas un dans notre table à glace, non. Parce qu'on ne mettra pas grand-chose d'autre. C'est quand même assez beau, un poisson. C'est un poisson qui devient quand même assez gigantesque. Pas très beau. Mais l'important, c'est pas de quoi il y a de l'air avant qu'il soit dans notre assiette. Ouais. Hein, on va tous dire, est-ce qu'un bœuf, c'est super beau. Le surgeon n'est pas le plus beau poisson, pourtant, c'est tellement pas bon. Hein? Vraiment pas, donc okay. Tout est relatif. Benoît? Oui? On y va dans le poisson aujourd'hui. Oui. Pas de colleux pour moi? Non? Non. OK. Peut-être à la fin. je t'avouerais qu'il m'a pris un peu par surprise. Ah oui, moi aussi. Pour moi, il est pas mis de mon côté. On va commencer par saisir le maï-maï. On va rajouter une cuillère à soupe d'huile. On va mettre une cuillère à soupe de beurre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le gingembre que je vais venir... Tout venir juste. OK. Pourquoi? C'est juste pour que les épices vont coller dessus, puis ça donne un bon goût. Ils appellent ça comme... Non, il va être beau. Attention à vos doigts, M. Bondy. Laissez faire, je vais le faire. Comme ceci. On va le mettre comme ça. Il faut que vraiment, vraiment que ça soit vraiment chaud, OK? Pour saisir vraiment le poisson. Oui, chef. On va venir faire comme ça. Il va saisir. Dis-moi, pourquoi tu as choisi le maï-maï, un poisson que... Moi, je trouve que tu as donné l'occasion de le présenter à la télévision. Mm-hmm. Mais pourquoi le maï-maï? Est-ce que c'est par rapport au plat que tu prépares, c'est le poisson qui va avec la préparation? Oui, présentement, oui. Mais on peut le faire avec n'importe quel. Un poisson blanc. Surtout un poisson blanc, parce qu'on va mettre du lait de coco, du gingembre. On va rajouter... On va mettre le gingembre comme ça. OK? Là, on va baisser notre tronche juste pour le finir parce qu'on va le laquer tantôt. Vous allez comprendre qu'est-ce que je vais faire. Après ça, on va prendre de l'échalote française qui donne un petit peu plus de goût que l'oignon. Comme ceci, on va le couper en petit, très finement. Comme ceci. C'est plus fort? Oui, le goût est vraiment plus fort que l'oignon, puis plus que l'oignon rouge. Il y a pas ça de l'échalote. Il y a beaucoup, les Français utilisent beaucoup cette échalote-là à place d'un oignon blanc. L'oignon blanc, je pense que ça vient plus du Québec que de l'extérieur. Et encore une fois, c'est important de mentionner la qualité des fruits et légumes qu'on a ici. Oui, qualité et variété. Le choix. Effectivement, une large variété. Ouais. Je vais rajouter encore une cuillère à soupe. On va monter notre rond. Qu'est-ce que je vais faire? On va laisser saisir tranquillement. Benoît profite toujours du moment où on fait ces recettes-là pour présenter des nouveaux produits. Tu sais, c'est un produit que tu as rarement utilisé. Ça, c'est du lait de coco. On va en mettre environ une cuillère à soupe comme ça. Oui, je dirais 3 cuillères à soupe. C'était une grosse cuillère à soupe. Une grosse. T'en avais une grosse portion. Dans l'autre, en attendant que ça frémisse, qu'est-ce que je vais faire? On va faire un bok choy qui ça donne bien avec le produit. OK? Le bok choy, c'est un... ça.
On va le couper en deux. Ça fait une très belle décoration. Je suis venu me chercher, on parlait de la poissonnerie tout à l'heure, je suis venu me chercher pour me faire une entrée des crevettes, des grosses crevettes géantes. Là. Ah, que je me suis régalé. Et je le dis souvent, mais la qualité de poissonnerie qu'on a ici, oui, avec la fenêtre, la table, je ne sais pas comment vous appelez ça. Tabac glace. Tabac glace. C'est tellement d'abord bien présenté, et ça nous permet d'avoir le choix de ce qu'on veut manger, mais tu regardes ça que tu manges avec les yeux. Tu manges avec les yeux. Mais les crevettes étaient succulentes. On parle de choix, mais ça va plus loin que le choix de la diversité. L'avantage que vous avez ici, c'est que vous désirez un morceau de poisson, bien, on va vous le couper la grosseur que vous le voulez. Vous voulez qu'on enlève la peau, on va enlever la peau pour vous. Donc, n'hésitez pas à le demander exactement qu'est-ce que vous voulez. Puis, c'est pas tout supplémentaire pour ça. Ben non, ça nous fait plaisir. C'est ça. Nous fait plaisir. Des gens préfèrent cuisiner le poisson avec la peau parce qu'il y a comme une espèce de petit gras naturel entre les deux qui va donner du goût. Certaines personnes ne veulent pas la peau, donc vous avez juste à le demander, puis ça nous fait plaisir de l'enlever. Ils sont là pour ça. Puis, on est... ma conjointe et moi, dégustateurs de truites, saumon. Délicieux, c'est vraiment là, la truite particulièrement. La truite, on a beaucoup de truites du Pérou, mais c'est des élevages certifiés sans antibiotiques. Donc, n'hésitez pas à en acheter et à la manger parce que ça. Moi, personnellement, entre la truite et le saumon, je préfère le goût de la truite. C'est un goût plus raffiné que le saumon. Donc, mais n'hésitez pas à acheter de la truite. C'est tout ça pour dire qu'on est gâtés d'avoir. Effectivement, on est vraiment comme vraiment on l'a gâtés. Ici, là. On est gâtés tout court d'avoir un marché d'alimentation comme ça. Ouais. Mais oui, la poissonnerie, c'est un niveau vraiment très respectable. OK. Là, qu'est-ce que j'ai fait? La plupart du temps, j'ai mis juste le bouillon pour le faire cuire et pocher en même temps. Dans le fond, tout le jus de cuisson va couler. Dans le fond, c'est pas long à cuire. Hein? Ouais. Je vais vous le dire, ça prend 5 mais à 6 minutes. Mais le morceau n'était pas gros non plus. Non, il n'était pas gros. S'il est plus gros, dans le fond, on peut le recouvrir. Peut-être 5 à 6 minutes. Et vous fermez votre onde pour qu'il mijote tranquillement. Là, vous voyez, moi, pour moi, là, il serait prêt. C'est-à-dire, on va prendre le maï-maï. On vient de le chercher ici. J'ai peut-être pas le bon instrument. Moi, je suis convaincu que t'as pas le bon instrument. On partait pour te dire que t'avais pas le bon instrument. Ouais, j'aurais pu prendre d'autres choses. Ouais, d'après moi, tu vas travailler non. Avec pas d'instrument. J'ai l'impression que tu vas faire alors que tu prends. Qu'est-ce que je vais faire? On va l'épaissir ici. Je vais prendre un petit peu de fécule, juste pour épaissir un petit peu la sauce. OK. Faut pas qu'elle vienne trop épaisse. On va c'est pas long hein, que ça épaissit. Oh oui. La fécule. Dans le fond, vous avez votre bol choice qui est ici. On va le prendre, on va le mettre dans l'assiette comme ceci. Avec un petit peu d'échalote, on va venir mettre par-dessus comme ça. La sauce, on va regarder, et il n'y en manque pas beaucoup. C'est-à-dire, on va prendre notre poisson, on va venir le mettre sur le bol choice comme ça ici. On sent l'odeur du gingembre, du lait de coco, c'est vraiment agréable. Qu'est-ce que je vais faire là présentement? Je vais le remettre ici. Je vais rajouter juste un petit peu de. Pour ceux-là qui aiment la sauce, on peut en rajouter juste un soupçon. Vous voyez, elle est vraiment belle, elle est claire, elle est limpide. On va rajouter un petit peu de fécule. Vous allez voir, c'est pas si long que ça. Juste un petit peu. Fait que quand tu nous dis elle est belle, elle est limpide, nous autres, faut te croire. Est-ce que c'est correct ou pas correct? On le sait pas. On va venir finir. Ton chef Benoît est dans son métier. Comme ceci. Ensuite, on va mettre de l'estragon. Très bon en passant avec le maï-maï et le lait de coco. La sauce qu'on a pris, je vais peut-être la montrer, c'est... C'est du lait de coco, simple. C'est du lait de coco. Vous retrouvez ça dans la section de l'épicerie. OK. Alors, c'est lait de coco. Comme ceci. On va finir donc, avec... du lait de noix de coco? Oui. Ça vous fait... Ça, ce sont des produits qu'on retrouve, oui, Benoît. Oui. Ça vous donne, c'est ça, c'est un maï-maï au lait de coco et gingembre sur bok choy. Puis avec un peu d'estragon. Je pense que c'est une bonne petite recette, très simple à faire. C'est une façon différente de manger du poisson aussi. Oui. Oh oui, puis c'est très, très bon. Je vais vous dire, la sauce du lait de coco, là, c'est bon pour la santé aussi. Le gingembre est bon aussi. Ça veut dire, avec le poisson, je pense que c'est un menu santé. Puis pour la clientèle, je pense que votre femme serait ravie d'avoir ça dans votre recette.
Ce soir. Ce soir. Merci. En ce magnifique 14 février, gâté, là. Ça prend quoi? Une dizaine de minutes? Une dizaine de minutes, oui. C'est pas très compliqué. Puis je pense que c'est un beau menu à présenter à votre épouse ou chérie. Ou madame. Ou madame. Oui. Alors. Là, on sera pas jalouse de mon câlin. Oui. Si vous avez le goût de cuisiner pour votre conjointe ce soir et lui faire une surprise, ben c'est du mahi-mahi. Du mahi-mahi, oui. Mahi-mahi. Alors, c'est un poisson que je ne connaissais pas. On l'a découvert. Et j'apprends. Ça fait au moins plus de 100 recettes que j'apprends quelque chose ici. Alors, merci beaucoup, Benoît. De rien, fait plaisir. C'est toujours un plaisir. Et ces recettes, je vous rappelle, vous pouvez toutes les retrouver sur le site de cmatv.ca. Donc, il y en a plus de 100. Je ne sais pas combien on est rendu. Mais il y en a plus de 100, 15, ça, je suis certain. 115? Oui. Alors, ce sont des belles suggestions. Des fois, pour de quoi être plus rapide. Mm-hmm. Ou encore, si vous voulez préparer, parce qu'on a fait toutes sortes de recettes. Alors, il y a des mets là, qui sont des fois un petit peu plus longs et vous recevez de la visite. Alors, c'est peut-être des belles suggestions que vous pouvez retrouver de Benoît sur notre site Internet. Voilà. Effectivement. Monsieur Hood, ça complète déjà. Arrêtez donc. J'apprécie ce colo. Ça fait un grand plaisir, en espérant que je n'ai pas fait trop de jaloux. Non, il y a toujours moyen de bouger. Juste un. Est-ce que vous voulez en faire un voiture? Ouais. Pas tout. On va en rester là. Je sais que sa femme ne veut pas. Vous mentionnez que c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Peut-être vous offrez une petite bouteille de vin ou encore de venir voir ici la quantité de produits qu'on a, peut-être de trouver une petite boîte de chocolat ou peut-être... Une petite surprise. Un petit gâteau surprise à notre boulangerie. Une petite bière artisanale, une microbrasserie qu'on a une variété. C'est vrai, c'est une bonne idée. Faire les choses différemment cette année. Oui. Alors, ce sont des... Juste en passant, j'ai un éclair comme ça depuis quelques semaines. On a les bières de la microbrasserie à Côte-du-Sud qui est juste à côté. Ah oui. Qu'on a maintenant en épicerie en canette. On a deux saveurs. Et il y en a deux autres qui vont se rajouter à la sélection où ils sont arrivés. J'ai pas eu la chance de vérifier hier et aujourd'hui. Donc, c'est dans notre cours, c'est chez nous, c'est l'économie locale. Donc, on vend leurs produits maintenant dans notre coopérative. Et encore une fois, IGA, oui, qui présente des produits de la place, de la région, sur ses tablettes. Mmh. Ça, c'est important de le mentionner. Est-ce que vous y avez goûté? Oui. Oui? Et puis? Sur 10? Bon. Non, c'est pas vrai. Mais c'est dans la variété. Il y a plusieurs sortes, plusieurs saveurs, mais ils font un excellent produit. Effectivement, j'adore les bières de microbrasserie. Puis, j'ai pas de honte et de gêne à dire, n'hésitez pas. Il y a des produits qui sont très, très bons, mais dépendamment des goûts, c'est très discutable. C'est pour ça que je vous posais la question, parce qu'il y a toutes sortes de goûts à des bières de microbrasserie. Ils ont plusieurs sortes de bières, donc c'est ce qui permet de rejoindre... Et comme c'est très personnel aussi... C'est des saveurs de chez nous. Alors voilà, la microbrasserie Côte-du-Sud qui se retrouve maintenant ici sur les tablettes. Deux produits pour l'instant ou on attend d'autres? Là? On était à deux, mais comme je vous dis, j'ai pas eu le temps de valider. Il y en avait deux autres qui s'en venaient, donc on va élargir la gamme. Merci, Lecoud, directeur général. Plaisir. Merci, Benoît. Rien. Et bonne Saint-Valentin. Vous aussi. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856-15-22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. Une entreprise de la région a profité des derniers mois pour changer de bannière. Située au 49 rue Saint-Jean-Baptiste Est, la boutique monbureau.ca opérera dorénavant sous la bannière Hamster Plus. Certaines de nos entreprises ont déménagé au fil des derniers mois. C'est le cas d'Arpentage Côte-du-Sud, maintenant situé au 180 rue Saint-Ignace. Le salon Ami-Pierre est maintenant situé au 206 avenue de la Gare. SG Service est maintenant déménagé au 510 boulevard Taché Est. Et le restaurant Subway vous accueille maintenant à ses locaux du 61A boulevard Taché Ouest. Votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion, n'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins.
La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent en service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 418-997-4189. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps maintenant de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 14 février. Vous rappelez que le Centre d'aide et de recherche de l'emploi Montmagny-Lillet se spécialise justement pour vous aider dans vous cherchez un emploi? Vous avez le bon endroit. Vous avez besoin de conseils, refaire le CV et bien d'autres services, eh bien, le CAR est là pour ça. Et ce sont leurs spécialités, des professionnels de l'emploi qui peuvent vous aider. 248-95-59. Et vous pouvez aller voir également sur le site du CAR.ca pour voir tous les emplois disponibles. Il y en a bien d'autres. On n'en affiche que quelques-uns sur le site. Entre autres, on recherche un mécanicien ou une mécanicienne de véhicules lourds pour Montmagny. Distributeur, distributrice, on ne dit pas la région, mais c'est de l'entreprise Distribution P. Tremblay. On recherche un intervenant ou une intervenante communautaire pour l'encre à Montmagny. On recherche un serveur ou serveuse des aliments et boissons. C'est au service de placement du CAR. On recherche un dessinateur ou dessinatrice technique pour Montmagny, un cuisinier ou une cuisinière pour Cap-Saint-Ignace et des commis d'épicerie pour Saint-Jean-Port-Joli. Alors, tous ces emplois sont disponibles au service de placement du CAR. Si vous voulez plus d'informations, tout simplement, vous téléphonez au 248-95-59 ou encore vous rendez au bureau du CAR situé au coin de l'avenue Colin et de la rue Saint-Louis et des professionnels de l'emploi sauront vous informer, répondre à vos questions et surtout vous aider à trouver le bon et meilleur emploi pour vous. Donc, c'est au CAR.ca. Également, je vous rappelle que le 23 mars prochain, de 10h à 15h, se déroulera le 5e Salon de l'emploi Montmagny-Lillet. C'est à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Donc, on vous invite à venir rencontrer près d'une cinquantaine d'employeurs de la région. Cet événement vous permettra de rencontrer et de discuter avec des employeurs, consulter le babillard d'offres d'emploi, participer à une visite guidée du CFP L'Envolée, obtenir des trucs et conseils en recherche d'emploi par les organismes en employabilité ou encore vous informer sur les emplois étudiants parce que vous savez que à compter du mois de mai, là, pour plusieurs entreprises, juin pour d'autres, eh bien, on recherche des emplois d'étudiants pour remplacer les employés qui sont là à l'année. Alors, les étudiants sont importants justement pour aider les entreprises là, à continuer à performer au cours de l'été. Alors, vous voyez la liste des entreprises qui seront présentes
tout au cours de ce salon qui se déroulera de 10h à 15h à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Donc, toutes ces entreprises qui auront un kiosque sur place avec des spécialistes, là, des gens des ressources humaines ou encore les employeurs eux-mêmes qui vous guideront ou encore vous donneront tous les renseignements sur le style d'entreprise, qu'est-ce qu'on recherche exactement comme emploi ou comme employé. Alors, ça sera très intéressant. Et peut-être que si vous avez le goût de changer d'air ou encore vous venez de vous installer, puis là, vous avez dit, bien là, tranquillement, là, je vais commencer à me trouver ou à chercher un emploi. Eh bien, ce ne sont pas des emplois parce qu'on vit, comme partout au Québec, une pénurie de main-d'œuvre dans notre région. Alors, on recherche de bons et bonnes employés. Alors, le Salon de l'emploi, c'est tout indiqué pour vous. C'est le 23 mars de 10h à 15h et c'est organisé par tous les organismes d'emploi de Montmagny-Lillet, entre autres le CAR. Donc, c'est un rendez-vous qu'on se donne le 23 mars prochain de 10h à 15h. Ça complète notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 14 février. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins et en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital Laval, le 27 janvier 2019, à l'âge de 62 ans, est décédé M. Réal Fleury, conjoint de Mme Nathalie Bergeron. Il était le fils de feu M. François Fleury et de feu Dame Marie-Claire Blais. Il demeurait à Saint-Charles-de-Bellechasse. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 16 février, à compter de 12h30. Un hommage suivra au salon funéraire à 15h. La famille désire remercier le personnel de l'hôpital Laval pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer pour le Relais pour la vie. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À Sainte-Apolline, le 6 février 2019, à l'âge de 55 ans, est décédé M. Denis Collin, époux de Mme Caroline Couture. Fils de Mme Lina Couture et de feu M. Paul-Émile Collin, il demeurait à Sainte-Apolline-de-Patton, comté de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de prévention du suicide de Québec. Des formulaires seront disponibles à la salle. Les membres de sa famille vous accueilleront à la salle municipale de Sainte-Apolline, 108 rue Ouellette, samedi, jour des funérailles à compter d'11h. Le service religieux sera célébré le samedi 16 février à 14h à l'église de Sainte-Apolline. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire de la Durantaye et fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À l'Hôtel Dieu de Lévis, le 7 février 2019, à l'âge de 72 ans, est décédée Mme Nicole Simoneau, épouse de M. Donald Lessard et fille de feu M. Paul Simoneau et de Dame Yvette Létourneau. Elle demeurait à Lévis. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 16 février, jour des funérailles à compter de 9h. Le service religieux sera célébré par la suite à 11h en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier sincèrement la docteure Marie-Ève Girard ainsi que l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 9 février 2019, à l'âge de 54 ans, est décédé de façon subite et inattendue M. Martin Roussel, époux de Mme Julie Blouin. Il était enseignant en agriculture à l'ITA de la Pocatière. Fils de Mme Georgette Hudon et de feu M. Rosaire Roussel, il demeurait à Cap-Saint-Ignace.
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantaye Fils, 560 rue du Souvenir, Cap-Saint-Ignace, samedi, jour des funérailles à compter de midi. Le service religieux sera célébré le samedi 16 février à 14h30 en l'église de Cap-Saint-Ignace. Il sera par la suite incinéré et ses cendres seront déposées au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Durantaye Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CEMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez cematv.ca. Mes prochains invités, je vous les présente, Mme Denise Laprise. Bonjour, Mme Laprise. Bonjour, M. Montminy. Et Marc Boulanger. Bonjour. Des gens qu'on connaît bien à Montmagny. Eh oui. Mme Laprise, on vous voit souvent dans des... Là, on va parler de Montmagny en transition, mais vous êtes très impliqué. Marc Boulanger, comme notaire, à la retraite maintenant. On vit bien ça, la retraite, M. Boulanger? C'est très facile. Oui? Vous n'avez pas trop de bizarre à trouver ça? Non, ça nous permet de mettre nos énergies sur des causes importantes. Bon, OK. Bien, parlons-en juste là. On va parler de Montmagny en transition. Vous en avez parlé. La semaine dernière, on a reçu le maire Langevin. On lui a posé des questions, justement, en raison de cette de ce qu'on appelle le DUC, là, de la déclaration d'urgence climatique. Mais avant là, d'embarquer dans le vif du sujet, moi, Mme Laprise... dites-moi exactement, Montmagny en transition. C'est quoi ce Montmagny en transition? Comment c'est arrivé ça? Pourquoi on a appelé ça Montmagny en transition d'abord? Montmagny en transition, pourquoi? Parce que c'est dans le contexte des changements climatiques. On voulait que Montmagny s'éveille à cette réalité-là et prenne des mesures pour engager la transition énergétique. Mais en fait, moi, mon militantisme, vous avez dit tout à l'heure, ça fait longtemps que vous êtes impliqué dans le milieu, et oui, je devrais vous dire que il y a 40 ans, 1978, j'ai été directrice d'un centre communautaire d'économie d'énergie à Montmagny. C'était un programme pan-canadien qui relevait du fédéral, avec le ministère de l'Énergie, Mines et Ressources à l'époque. Et il faut voir le contexte. En 1978, le prix du pétrole avait considérablement augmenté. Puis on prévoyait qu'en vers les années 1995, le pétrole allait être considérablement épuisé. Donc, il fallait dès ce moment-là prendre des moyens pour... Puis les taux d'intérêt étaient énormes. Hein? Donc, il fallait prendre des moyens là, pour vraiment entreprendre une transition. Et le projet nous a permis pendant 7 mois... de faire mener vraiment des actions dans le milieu. L'objectif, la mission du programme, c'était d'identifier les leaders du milieu, les organismes qui pouvaient mettre en place des projets avec nous, mais par la suite, les continuer. Donc, on voulait une pérennité. Et à la fin du projet, les travailleurs avec qui j'étais, on était une équipe de 8, on a continué, on a fondé un organisme qui s'est appelé l'Association pour la protection de la qualité de l'environnement des économies d'énergie. Pendant 8 ans, on a continué à travailler sur les projets qu'on avait amorcés, sur d'autres projets aussi. Puis ce genre de projet-là nous avait amené à travailler avec la Ville, la Société d'horticulture, vraiment tous les organismes. On avait fait le tour, on avait vraiment ratissé le terrain. Avec des propriétaires de chalets, on avait même parti des petites éoliennes, chauffage de l'eau des piscines à l'énergie solaire. Le jardin communautaire, c'est parti de là. La campagne d'embellissement à Montmagny aussi, la plantation du mai, la journée de la bicyclette, le jour du soleil, les marchés aux puces, qu'il n'y en avait jamais eu à Montmagny. On en a fait 2 cette année-là, un au printemps, un à l'automne. Et on avait même recommandé d'utiliser les résidus de bois pour faire du biométhane. Donc, il y a eu un projet par la suite à Saint-Just. L'usine a été fermée là, au milieu des années 80. Je me souviens plus trop pour quelle raison. Mais il faut comprendre que au milieu des années 80, là, l'industrie pétrolière a commencé à émerger au Canada. Hein. Depuis ce temps-là, on est devenu la deuxième puissance de productrice d'hydrocarbures au monde. Après l'Arabie saoudite, c'est nous. Ce qui fait que ça a orienté les choses d'une façon très différente. Ces programmes-là d'économie d'énergie sont jamais revenus. Jamais.
Alors qu'on devait être en manque, ce que vous disiez qu'en 95, en 95. On devait devenir en manque, là, on en produit plus que jamais. Bien, c'est qu'on avait, on avait un pétrole de qualité. Maintenant, on produit du pétrole avec des sables bitumineux. On extrait le pétrole dans les océans. On protège pas l'environnement avec ces manières de faire. On va ramener ça chez nous. Parce que moi, c'est chez nous qui m'intéresse beaucoup, de, le travail que vous faites ou ce que vous prêchez, permettez-moi l'expression. D'abord, Marc Boulanger, vous demandez à vous, qu'est-ce que vous faites, quelle est votre mission ou qu'est-ce que vous, votre travail au sein de Transition, mon moyen de transition? Mais moi, j'ai toujours été enclin à protéger l'environnement, souvent par des petites mesures qui sont anodines. Là, pour, comme? Je me suis installé à la géothermie chez moi, le recyclage, le ramassage des produits de plastique, etc. Tu sais, c'est des petites mesures que si tout le monde le faisait, ça deviendrait des grosses mesures. Là, ça, j'ai toujours été enclin à ça. Maintenant, quand il y a eu le projet de gazoduc à Montmagny, l'an passé, en 2018, quand il a annoncé que le gazoduc serait prolongé jusqu'à Montmagny, Denise m'a appelé parce que Denise était à la fine pointe de ce sujet-là. Et comme on se connaissait bien, elle m'a demandé si elle accepterait de me joindre à elle pour militer un peu contre ce projet-là. Et avec d'autres, il y avait déjà d'autres personnes là-dedans. Alors, ça n'a pas été long qu'on s'est ramassé 4-5. Puis, on s'est donné le nom de Montmagny en transition. Un peu pour faire un pied de nez à Énergir qui a appelé le gaz naturel une énergie de transition. Alors, nous autres, on parlait d'une vraie transition. On prend mieux le sens de mon voyant en transition. C'est ça, quoi. Ouais. Bon, aujourd'hui, il y a conférence de presse, parce qu'on est en direct, là, jeudi 14 février. Il y a conférence de presse sur le gaz naturel, parce qu'il y a possibilité d'une implantation ou d'une continuité pour amener le gaz naturel à Montmagny. C'est dans l'air. Maintenant, vous n'êtes pas pour ça. Bien, c'était dans l'air l'an dernier. C'est l'étincelle qui a allumé le feu. Dans le fond, j'ai lancé un cri d'alerte, comme dit Marc, et on n'est pas pour ça. Parce que c'est sûr qu'Énergir vend la ressource comme étant une énergie de transition. Par contre, les scientifiques disent le contraire. C'est pas une énergie de transition parce que le gaz naturel est émetteur de méthane et quand on l'extrait jusqu'à la consommation, il y a des pertes de méthane dans l'atmosphère et le méthane est plus lourd et demeure dans l'atmosphère plus longtemps, sur une période d'au moins 100 ans. Donc, le pétrole serait moins dommageable que le gaz naturel. Mais tantôt, vous disiez que c'est pas mieux non plus, là. C'est pas mieux non plus, parce que c'est un hydrocarbure. Et il faut cesser, selon les scientifiques, d'utiliser les hydrocarbures dès maintenant. Et selon eux, on aurait seulement 2 ans pour agir, là, si on veut vraiment avoir un impact sur le futur. Mais Mme Lepré, ça m'amène à vous poser la question. Il y a des entreprises, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont intéressés se servir du gaz naturel. On parle d'entreprises qui pourraient sauver jusqu'à 200 000 $. C'est quand même pas rien. Ça, oui, c'est des économies à court terme. C'est nos entreprises, c'est nos employeurs de la région aussi. Comment vous voyez ça, là? Parce qu'il y a deux côtés de médaille. Oui, tout à fait. D'un côté, ça aiderait nos entrepreneurs. D'un côté, vous parlez de l'environnement. Vous recevez ça comment? C'est plus que l'environnement. Dans le fond, on est dans un contexte de changement climatique. On le voit, hein? L'érosion des berges, les inondations, les écarts de température extrême. C'est partout sur la planète. Les ouragans, c'est partout sur la planète. Donc, il y a un coût associé à ça. Il y a des coûts. Et si on ne fait pas la transition maintenant avec nos entreprises, la vraie, la bonne transition, nos entreprises vont être forcées avant 2050 de faire la vraie transition. Donc, nos impôts actuellement serviraient à subventionner le passage du gazoduc. On parle de 38 millions seulement pour le projet de Montmagny. Si on utilisait ces 38 millions-là pour faire une vraie transition avec une vision d'avenir,
Ce qui se passe actuellement, c'est on a perdu des entreprises à cause de la mondialisation des marchés. On l'a vu dans les années 76 à 85 à peu près à Montmagny. Plusieurs entreprises ont fermé leurs portes à cause de ça. C'était le textile, c'était les électroménagers. Donc, les entreprises partaient pour aller où? En Chine, en Inde, au Mexique, ailleurs. Pour, après ça, prendre les produits fabriqués là-bas avec une main-d'œuvre à bon marché, venir nous la revendre à peu près au même prix qu'on payait avant. Donc, c'est sûr que le profit allait probablement dans les poches là, des fabricants, mais on n'avance pas comme société à ce moment-là. Par rapport au changement climatique, il y a un coût énergétique là, à amener les produits jusqu'ici. Donc, si on essaie de développer notre économie locale, là, actuellement, on a une décroissance au niveau de la population, puis même au niveau de notre économie. Nos villages ferment. Nos commerces ont de la misère à vivre parce que les gens vont vers Lévis et Québec acheter des produits dans des magasins là, de grande surface à coût moindre. Mais il faut vraiment voir comment est-ce qu'on peut réorganiser notre tissu économique avec une vision. On est rendu loin. On là. Est rendu loin, oui. Mais on est rendu au 20... gaz naturel pour les on est rendu au 21e siècle. Ouais. Donc, c'est cette vision-là. Et mais nous, les gens qui souhaite... voyagent, Mme Leprise, de Montmagny à Québec, c'est de la pollution? C'est de la pollution. Ah, oui, oui. Le plus grand contributeur de pollution, c'est le transport à 43 %. Ensuite, c'est les entreprises à 32 %, si j'ai bonne mémoire. Les résidences, les commerces, les individus, c'est seulement 10 %. Puis ensuite, c'est l'agriculture à 10 %, 9 ou 10 %. Donc, si les individus, on prend des moyens, on signe le pacte pour la transition, on prend des moyens pour vraiment faire tout notre possible. Si de l'autre côté, l'entreprise fait le contraire, bien, on vient annuler les efforts de l'un par rapport à l'autre. On va s'en aller où? Il faut vraiment se concerter tout le monde. J'aurais des questions pour vous poser jusqu'à 3 heures après-midi. Ouais, là, Monsieur Momini, vous avez posé la question tantôt. Vous avez mentionné qu'il y avait des économies énormes pour des entreprises s'ils se mettaient au gaz naturel. Si on s'en tient à l'aspect économique, si je vous convainquais aujourd'hui que la meilleure façon de chauffer de façon économique, c'est au charbon, est-ce qu'on se remet au charbon? Parce que c'est le plus économique. Puis c'est une énergie fossile. Alors, on ne peut pas soutenir que parce que c'est moins cher, c'est vrai que le gaz naturel est un peu moins cher que le pétrole. Mais s'il est plus polluant, où est le gain? Il n'y en a pas de gain. Alors, si on s'en tient uniquement à l'aspect économique, mettons tous les travailleurs au salaire minimum, ce serait bien plus économique pour l'entreprise. La valeur de l'entreprise augmenterait. Donc, on ne peut pas toujours prendre l'aspect économique. Je comprends ce que vous dites, mais les coûts, l'électricité, l'épicerie qui augmente à un rythme fulgurant, on ne peut pas se permettre ça, vous comprenez, M. Boulanger, qu'on ne peut pas se permettre ça. Moi, j'ai beaucoup de questions. On doit s'arrêter pour une courte pause. On va revenir, parce que là, on va parler... La déclaration d'urgence climatique que la Ville n'a pas signée. Mm-hmm. Le maire l'a expliqué la semaine passée, vous l'avez sûrement regardé. On va en parler de ça. Oui. Mais moi, ça m'interpelle ce que vous dites. Les gens qui sont sur la route, il y a de la pollution. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est gros. Là. Vous avez une grosse mission qui n'est pas facile. Je ne suis pas sûr, pas certain que les gens sont prêts à arrêter de consommer ou... Bon, on parle de plus en plus que les voitures sont de plus en plus grosses, alors qu'on est conscient qu'il y a des changements climatiques. Les gens s'achètent des VUS, des véhicules utilitaires sport. Il y avait une étude qui a été faite récemment là-dessus. Alors, je ne suis pas sûr que le message passe. Est-ce que le vôtre passe? C'est la question que je vais vous poser au retour de la pause. On s'arrête quelques instants, puis on revient avec nos invités, Mme Denise Leprise et Marc Boulanger, qui sont de Montmagny en transition. Et on va parler justement de cette déclaration. On appelle ça le DUC, la déclaration d'urgence climatique. À tout de suite. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre, pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88-248-3999.
Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchers à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Maintenant ouvert, Déco-Surface L'Entrepôt. Nouveau concept, 150 000 pieds carrés d'inventaire en couvre-plancher. Céramique, bois franc, bois flottant, prélard. Ouvert 7 jours sur 7, Déco-Surface L'Entrepôt. 132 Taché Ouest, Montmagny. 241-2002. Vous regardez cmatv.ca. Le réseau de télévision CMATV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photos. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMATV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Donc, on n'a pas de petit poupon à vous présenter aujourd'hui, mais je vous rappelle que cette chronique vous est présentée à tous les mardis et jeudis. Ça s'appelle La Pouponnière. C'est parce que grâce à La Pouponnière de l'hôpital de Montmagny, on vous présente les naissances tous les mardis et jeudis. Et à chaque semaine, le mardi, on procède parmi les parents qui ont participé à notre chronique. On fait l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. On en profite de l'occasion pour remercier les employés de La Pouponnière qui ont accepté avec un immense plaisir de participer et de présenter ces nouveaux poupons dans les MRC de Montmagny et de Lille. On revient aux invités, Mme Denise Laprise et M. Marc Boulanger de Montmagny en transition. J'ai dit le Duc tout à l'heure, alors je vais corriger, c'est la Duc parce que c'est la déclaration d'urgence climatique. Et c'est quoi exactement, Mme Laprise, que la déclaration d'urgence climatique que la Ville n'a pas voulu signer la semaine dernière? La déclaration d'urgence climatique, c'est une déclaration des citoyens, finalement, dans différentes municipalités du Québec, sollicitent leur conseil municipaux à adhérer à la déclaration d'urgence climatique, c'est-à-dire à reconnaître qu'il y a une urgence climatique et qu'il faut entreprendre un chantier. Bon, mais qu'est-ce que ça donne? Même si on signe ça, moi, je peux signer un papier, mais qu'est-ce que ça donne véritablement que qu'on accepte, qu'on signe ou qu'on dit qu'on adhère? Ça donne quoi exactement? L'idée de seulement signer le papier, ça donne rien. Signer le papier, c'est une reconnaissance que la municipalité, oui, s'engage à entreprendre des actions pour réduire son empreinte écologique, son empreinte énergétique, qui est néfaste pour l'environnement. Donc, il y a actuellement 260 municipalités qui ont adhéré à la déclaration d'urgence. Je ne sais pas sur combien, sauf qu'on nous dit que ça représente à peu près 70 % de la population du Québec. Il y a quand même Québec-Montréal là-dessus, là. OK. Mm-hmm. Trois-Rivières. Qui on sait? Oui. Rimouski. Mm-hmm. Le maire, la semaine passée, parce que je lui ai posé la question, qui nous dit qu'il y a beaucoup d'actions prises actuellement pour, justement, le changement climatique puis l'environnement. Puis... Vous répondez quoi? Parce que je sais que vous l'avez regardé. Vous répondez oui, quoi? Oui, j'ai regardé l'émission. Le maire de Montmagny nous a répondu la semaine dernière. Le maire de Montmagny n'a pas répondu à la question. Le maire de Montmagny a parlé seulement d'environnement. Oui, la ville de Montmagny prend des mesures environnementales. On ne peut pas le nier. On les a rencontrés au mois de juin. Puis on avait déjà fait une liste de ce que la ville faisait. Puis on leur a présenté aussi les programmes qui existent présentement et qui pourraient nous aider ici dans le milieu à réduire notre empreinte écologique au niveau des changements climatiques. Et la différence, c'est que la ville pourrait prendre des mesures c'est-à-dire voir, identifier là où sont vraiment les besoins. Donc, du côté de ces véhicules routiers, du côté des bâtiments, qu'est-ce qu'il y aurait à faire? Du côté des résidus, la gestion des déchets, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il y a plein de choses qu'on peut faire dans notre milieu là, pour réduire les coûts. Ça apporterait peut-être une réduction des taxes, peut-être pas, mais l'important, c'est de ne pas les augmenter. Le bac brun, c'est une bonne façon. Le compostage, le bac brun, ramasser les résidus de toutes les familles, les résidus alimentaires et des restaurants pourrait réduire la facture à la ville au niveau des déchets. C'est des exemples. Et la déclaration d'urgence climatique vient identifier
tout ce qu'il y a à travailler au niveau municipal pour améliorer l'environnement, mais aussi réduire notre empreinte écologique en fonction des changements climatiques qui sont extrêmes et qui vont aller en augmentant. Parce que plus la planète se réchauffe... Et le fond des glaciers qui s'accélère. Bon, oui. On entend quelque chose qui font peur. Ça va apporter toutes sortes de conséquences. Est-ce que vous ne prêchez pas dans le désert, Mme Laprise? Oui, dans le sens que oui et non. Ça prend des éveilleurs de conscience, ça prend des lanceurs d'alerte, mais je crois que la population ne lit pas nécessairement, ne nous écoute pas nécessairement non plus ici à CMA-TV ou à Siki tous les jours. Il y a beaucoup... lisent pas nécessairement le journal... Loi blanche d'une façon régulière, il y a un certain pourcentage que oui, mais un autre non. Donc, si nos élus prennent leurs responsabilités, ont le courage de prendre des décisions qui vont peut-être à l'encontre du courant, là, parce que ce qu'on voit, c'est que les lobbyistes sont très forts, puis les citoyens sont souvent peu entendus, puis les scientifiques ont lancé une alerte l'automne dernier. Et ce groupe-là relève quand même de l'ONU. Hein? Le secrétaire de l'ONU nous dit, c'est sérieux ce qu'on vous dit, là. Prenez-en conscience. Donc, moi, je fais un appel à la population de Montmagny. Je fais un appel à nos élus, à nos leaders, pour vraiment s'asseoir ensemble puis établir un plan d'adaptation et un plan pour faire le virage auquel on est convié. Vous êtes un petit groupe de personnes, vous l'avez dit en début d'entrevue. Oui, mais il faut vous dire aussi que Montmagny, c'est un drôle de milieu. On est un petit groupe de personnes officielles. Il y a aussi un groupe de personnes derrière nous qui veut pas s'afficher. Okay. C'est ça le milieu de Montmagny. Moi, je comprends. Donc là, si nos élus finissent... On est en affaires aussi. Nos vous leaders... comprenez que, bon, les industriels, je vois M. Boulanger qui est un ex-notaire. S'il était notaire aujourd'hui, ce serait plus délicat. Les gens ont... un petit peu peur de s'afficher. C'est pas qu'on est contre, c'est pas qu'on est pour. Mais moi, ce que je veux savoir, en terminant rapidement, parce qu'il reste à peu près 2 minutes, c'est quoi... quelles actions vous allez prendre? Vous êtes un petit groupe officiel, puis un groupe non officiel. Et là, vous allez faire quoi là, pour vous faire entendre? Parce que si la Ville n'a pas signé cette la DUC, vous faites quoi? C'est quoi la prochaine étape? Bon, on va faire un appel à... aux leaders du milieu. On va tenter de faire une réunion pour discuter. Est-ce que les leaders du milieu sont sensibles, Mme Laprise? Bon, on espère les sensibiliser. Je me dis, non, faut mais pas ce qu'ils sont avec toutes les dommages que vous avez les condamner. Je comprends leur situation. Je comprends qu'ils veulent économiser pour faire du développement. Mais il faut s'engager dans un vrai bon développement qui va être durable avec le temps. C'est pour nos enfants, c'est pour nos petits-enfants qu'on le fait. C'est pas pour nous qu'on veut le faire. Là. C'est vraiment pour la suite des choses, pour l'avenir même de l'humanité. Il faut... C'est ça. Le temps qu'on a, mais... Faut commencer quelque part. Faut commencer. Vous invite à nous faire suivre la continuité. Vous êtes toujours les bienvenus ici. Puis à nous faire savoir, nous faire connaître. Vous avez des communiqués de presse, mais faites-nous savoir ce qui se passe. Puis quand vous voudrez parler, vous êtes toujours les bienvenus. Mm-hmm. Et merci beaucoup. Il en est de même pour le conseil municipal, parce que moi, j'aime toujours avoir les deux côtés de la médaille. Alors, merci d'avoir été là, Denise Laprise et Marc Boulanger, de Montmagny en transition. On va suivre ça, conférence de presse pour le gaz naturel aujourd'hui. Bon, on va suivre ça aussi. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on s'arrête. Dans quelques instants, José Soucy est avec nous pour les grands titres de l'actualité. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. De nouveaux services sont aussi offerts dans notre secteur commercial. Esthétique Angélie Enregistrée offre maintenant les soins de microblading et de maquillage semi-permanent des yeux. Et le bar Le Boomerang est maintenant connu sous le nom de Resto-Bar Le Boomerang, puisqu'il offre dorénavant un service de restauration. Des entrepreneurs de la région ont investi des sommes importantes pour mettre à niveau leurs installations. C'est le cas de l'Animalerie Montmagny, située au 20 boulevard Taché-Ouest, de la clinique dentaire Montmagny, propriété de la docteure Joannie Bertrand, et de la pharmacie Unibris, appartenant au groupe Daniel Lachance et située aux Galeries Montmagny. Votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion, n'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. Vous cherchez une manière active de vous déplacer? Pourquoi pas le faire en vélo? L'activité numéro 2 du palmarès 150 de participation. Tout le monde est prêt? Oh oui! On y va! Aujourd'hui, je vais pédaler avec l'équipe de Manuvie.
Inscrivez-vous à participation.com et cochez le plus d'activités possibles sur votre liste. Manuvie Vitalité aide les Canadiens à devenir plus actifs pour améliorer leur qualité de vie. Manuvie, fier partenaire principal du palmarès 150 de participation. Vous regardez cmatv.ca. Il y aurait tellement de choses à jaser. En passant, une excellente entrevue avec Mme Laprise. Mme Laprise, qui est une personne très articulée, qui connaît ses dossiers et qui prend vraiment à cœur l'environnement. Moi, j'ai l'impression que du côté de la ville, on ne veut juste, on n'a pas signé la déclaration, le Duc, parce qu'on ne veut pas s'attacher les mains. Moi, c'est l'impression que ça me donne. On veut faire des efforts, mais on ne veut pas être obligé. Le maire, la semaine passée, nous disait qu'il y a des efforts qui sont faits. Oui, c'est sûr ça, que là, exactement. On parlait d'équipement routier. Non, mais. Ça va loin, là. Mais... Écoute, en même temps, il y a des contraintes financières, il y a des pressions du milieu privé, notamment des grandes entreprises de la région pour avoir la desserte en gaz naturel pour faire des économies. D'ailleurs, il y a une conférence de presse aujourd'hui. On va annoncer quelques avancées dans ces projets-là à 11h du côté de Loiselière. On va en savoir davantage. Fait que je ne peux pas t'en dire plus pour l'instant, mais... Est-ce que c'est voulu, Mme Proulx, est ici aussi à Loiselière ce midi pour un dîner de la Chambre de commerce? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est peut-être un hasard, mais je sais qu'à 11h, c'est la... OK, mais je serai là ce midi. OK. Alors, c'est à 11h30, le dîner avec Mme Proulx. Tu vas faire l'honneur de ta présence à la Chambre de commerce. Et j'aurai une entrevue avec Mme Proulx en après-midi qu'on va pré-enregistrer parce qu'elle est... Ah, la ministre? Elle est très occupée. Et on va lui poser la question, c'est certain. C'est bon. OK. Un gars de 30 ans sur la route hier, non, mais pas fort, là. Non, je pense que Écoute, le gars s'en tire bien avec 490 $. Mais moi, j'aurais enlevé quelques points, là. Oui, je sais pas. Écoute, on n'a pas su voir s'il y a eu des points qui ont été enlevés. Peut-être pas. Toujours est-il que les gens, ils devraient le nommer parce que, juste pour lui donner une leçon, on peut pas le nommer. Il n'a pas été incriminé. Il n'a pas passé devant le juge à Montmagny. C'est pas là. Une infraction... Moi, je trouve qu'on n'a pas été assez sévère. Moi, j'aurais enlevé quelques points ou encore enlevé l'auto pour 30 jours. Mais je ne sais pas comment elle a fait pour se faufiler. Le message passe, mais comment elle a fait pour rentrer sur l'avant? Actuellement, il y a des barrières. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Il a réussi à se faufiler. De quelle manière? Je regardais hier, parce qu'on a maintenant une belle vue sur le coin du Pain des Poiriers et Boulevard Taché. Il y a des voitures qui ont essayé. Et l'auto de la Sûreté du Québec avançait, barrait le chemin. Alors, comment ce gars-là a fait pour rentrer sur l'avant? Absolument, quand tu vois une voiture de la Sûreté du Québec là, en perpendiculaire de la route, là, les gyrophares allumés, je sais que la route est barrée. Je suis de même, là, je prends un devant. Absolument. Il faudrait vérifier, c'est pas certain. Je vais le dire avec un ray. Mais hier, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il semblerait que si, exemple, les commerces, les gens de commerce là, comme BMR ont été fermés toute la journée hier, il semblerait que les gens qui traversent la ligne peuvent avoir, si on parce qu'on prend le numéro de plaque, et vous pouvez avoir une amende de 200 $. C'est pas vérifié, mais on m'a dit que si on traverse une ligne, là, le gars, il y a eu 490 $. Non, parce que le gars, c'était apparent qu'il avait vraiment contrevenu à... Mais c'est pourquoi que les commerces étaient fermés en direction ouest, parce qu'on n'a pas le droit de passer une ligne de comme une ligne de sécurité, je ne sais pas comment on appelle ça. Du moins, la limite que la police détermine. Toutes sortes de monde pour faire un monde. C'est pas la vedette de la journée, maintenant. En plus, il frappe une déneigeuse. Puis là, ça a retardé le déneigement sur l'autoroute 20. C'est tout ce qu'il faut. T'arrives, imagine-toi, t'arrives à tes assurances, t'expliques ça. Ouais, vous avez frappé une déneigeuse, la route n'était pas fermée. Ouais, qu'est-ce que vous faisiez là? C'est que nous autres, on en parle, probablement que d'autres médias en parlent. Puis là, l'assureur va dire... Ah, c'est toi, ça! C'est toi le champion, hein? C'est non. OK. Une famille tirée du lit par un incendie de garage mercredi matin. Oui, ils ont eu peur quand même parce qu'ils ont senti de la fumée et ils ont entendu le feu, tu sais, le bruit que le feu fait quand il y a un feu, tu sais, le bruit que ça fait quand il y a du bois qui brûle. Oui, les crépites, effectivement, c'est le nom que je cherchais. Et avant, ils ont entendu ça avant que les détecteurs de fumée... partent, tu comprends? Fait qu'il a fallu qu'ils se dépêchent, mais il n'y a pas de mort, pas de blessés, des dommages évalués à 50 000 $. Merci, mon ami. Ça complète notre émission. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est une belle journée, mais il y a un avertissement de neige de vers là, depuis vers de la centre de pluie pour demain parce qu'il va y avoir un adoucissement des températures. On s'en sortira encore pas. Une fois, et une belle fin de semaine. Merci, José. Ça complète. Je vous invite à être des nôtres demain. Alors que demain, Souvenirs et Nostalgie vous rappellera 1965 et on a notre chronique santé avec le pharmacien Daniel Lachance. À demain.
profiter des avantages exclusifs aux membres Desjardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchers à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau-Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-3634.